Yo les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Alors aujourd'hui, on est sur ma version Jap. Et ça fait longtemps, je sais. Du coup, on a eu des petits tickets sur la version Jap. Comme vous voyez, j'y joue pas tellement. Mais j'ai quand même presque trentaine de tickets. Donc j'en ai 29. On va l'invoquer. Voilà, ça fait plaisir. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Ça fait plaisir. Et bon, on va commencer tout de suite. Ah, attendez. Alors, pour les unités du détecteur, on va regarder rapidement ça. Alors, sur ce compte-là. J'ai pas beaucoup de leader catégorie. Alors le Migaté je ne l'ai pas. J'aimerais bien avoir le Golden pareil. Quoique le Golden je crois que je l'ai en fait. Golden je crois que j'ai même un doublon. Le Super Vegeto sûr je ne l'ai pas. Le Badak je ne l'ai pas non plus. Le Guan non plus. Le Gogeta je l'ai je crois. L'Omega je ne l'ai pas. Le Broly je ne l'ai pas. Le Goteng je l'ai. Le Gogeta je l'ai pas je crois. Janemba je l'ai. Gogeta si j'ai en fait. Pitbou hit. Je l'ai. Super 67, je ne l'ai pas. Goku SSJ 3, je l'ai. Couleur, je l'ai. Goku SSJ 4, je ne l'ai pas. Vegeta, je ne l'ai pas. Et puis après, bon, le reste, voilà. Le reste, je l'ai pas. Je l'ai pas. Le reste, je l'ai pas. Mais bon, on préfère avoir les leaders catégories. Voilà. On va commencer tout de suite. Hop. On va rajouter un peu de son quand même. Let's go. Ok, bon. Au moins, il se transforme, il y a une petite chance pour que ça soit un SSC. D'accord. Pas de SSJ2. Pas de bye bye, les gars. Ok. Premier single, pas terrible. On va enchaîner tout de suite. Goten et Chaozu. C'est pas terrible. Il peut pas me lâcher un Owadidar. Quand je dis Owadidar les gars, c'est SSR garanti. Il y en a qui disent SSR du détecteur, mais j'y crois pas trop. Je vous dis la vérité. Bon, on va faire des singles jusqu'à choper un SSR quand même. Parce que voilà quoi. Faut pas déconner. Trunks sur la droite. Et c'est J1. Il a un peu plus de mal à se transformer en SSJ2 maintenant, je trouve. Je trouve qu'il a un peu plus de mal à se transformer en SSJ2. Le SSJ2 est plus rare maintenant. Allez, allez, allez. Mais c'est pas vrai ça. Bon, d'accord, ok. Bon, là, du coup, faut pas chercher à comprendre, les gars. Ça va être un R 100%. Ça me réussit pas, hein. Ça me réussit pas trop. Bon allez, on va faire une multi. Allez. Par contre, si j'ai rien sur la multi, ouais. Chikata, chikata, ça va rien dire. C'est pas ici, c'est garanti, c'est rien du tout. Les gens disent c'est un perso détecteur, pas du tout. C'est, ça va rien dire. C'est un truc qui sert à rien. Oh non quoi, c'est pas sérieux. Oh non, mais c'est pas sérieux, le perso est sorti à 50 ans. Oh, oh il m'a HV. Oh, j'ai fait une multi, il m'a HV. Oh, une petite Kale. Ok, pas trop mal la multi, pas trop mal. Kale, c'est pas dégueu. Ok, d'accord. Yamcha et Piccolo. Bon, ok, d'accord. Ça, c'est R garanti. Ça, c'est un petit R garanti avec le Guldo qui se fout de ma gueule. Quand il arrive, ça fait bien plaisir. Hein. Ah, ouais, petite anecdote. Donc, hier, il y a mon frère qui me dit fais 3 singles sur mon compte. Je dis vas-y, ok, tranquille, tu vois. Je fais 3, 4, non, il m'a dit il fait 4 singles. Au bout de 3 singles, qu'est-ce que je trouve? Broly et l'air. Au bout de 3 singles, j'ai eu un arc-en-ciel au Walida. J'ai eu un R, ça a switch en SSR et c'était Broly. Oh, comment j'avais trop la haine. Sur mon compte à moi, j'ai jamais donné au LR. J'ai réussi à lui tirer à lui. Et aussi, j'en avais tiré un à l'époque à Tania aussi quand on était à la machin. Là, comment ça s'appelle? La Japan Expo. J'ai invoqué vite fait sur le compte des gens et j'avais eu un LR sur son compte.
N'importe quoi, franchement. Le jeu veut pas m'en donner à moi. Sur le compte des gens, je l'ai en 3 singles à chaque fois, genre. La dernière fois, je l'avais en 3 singles, là, c'est pareil. Le jeu, il veut pas me donner de l'air. Le jeu ne m'aime pas. Gohan, écrit là, je sais pas ce que ça vaut. Ok, d'accord. Arc-en-ciel, du coup, là, c'est garanti. Du coup, Gohan, c'est peut-être pas trop mal. Gohan, c'est peut-être pas trop mal. Je sais que Krillin, il vaut pas grand-chose. Vegeta, N, Nucker, leader. Nucker. C'est pas ouf, pas ouf, c'est pas ouf, ouf, quoi. Vegeta sur la droite. Végéto. Pas de Végéto, c'est dommage. J'y ai cru. Franchement, j'y ai cru. Je me suis dit, ah, peut-être Végéto. Mais non. Mais non. Ok, d'accord. Hop. Yamcha et Trunks. Pas fameux pour l'instant les tickets. Hein. Ouais. Pas fameux du tout même. Pas fameux, fameux. Hein. Goten sur la droite. Sur la gauche, pardon. Ouais, bon, en gros, de ce que j'ai compris, Goten, Trunks, pas terrible. Enfin, je sais pas les deux ensemble, mais chacun, voilà. Chacun tout seul, c'est pas terrible. Gohan, ça va. Piccolo, c'est pas ouf. Bou, avec Satan sur le truc, c'est l'air. Là, il y a Gohan. Bon, on va voir. Donc, c'est Gohan, c'est mon présage. Bon, en fait, s'il y a pas de bye bye, les gars, Gohan, c'est aussi pour lui. Ouais, bon. Gohan, ça veut rien dire. En fait, je crois que c'est des combinaisons de perso. C'est des combinaisons de perso, je crois. Genre, le perso tout seul, il va rien dire. Ouais, bon. Yamcha tout seul. Ok, bon. R garanti. Gohan, ils sont sur net. Vas-y, les 8 derniers tickets là. Donne-moi un truc, le jeu. Boum, mais y a pas Satan. Non, non, d'accord. Ok, ok. Ouais, je crois vraiment que c'est les combinaisons de persos qui sont plus importantes que les persos tout seuls en fait. Ouais. Bou Yamcha, je pense pas que ça soit terrible. Super Saiyan 1, pas de Super Saiyan 2, pas de bye bye les gars. On a un Goten qui tombe. Bon bah du coup, bon je suis dans les taux au niveau des CSR par contre, parce que j'en ai eu 3. J'ai eu la Kale. Ah ouais, d'accord. J'ai eu la Kale, le Vegeta et je sais plus le dernier c'est quoi. Ah si, j'ai eu le Goku CJ de Tech. En 30 tickets, 28 tickets, 29 tickets quoi, c'est les taux. C'est un tous les 10... Tous les 10 tickets quoi, c'est ça les taux. Donc c'est 10%. Après la qualité des SSR reste à laisse à désirer. Au niveau des animations, on se fait salement trôner. Il a dit quoi? Il a dit un truc? Bon, il n'y a pas de bye bye, voilà. Mais maintenant, c'est quand même plus courant d'avoir pas de Super Saiyan. Merci au frère qui s'est abonné en vidéo. Bah voilà, tu passeras sur la vidéo. Et puis.
Oh. Oh. Mais non, mais donne-moi un espoir quoi. Laisse pas le truc vite comme ça. Vous voyez, il se transforme pas en ASR, c'est bizarre quand même maintenant. Maintenant, assez bizarre. Bon, allez, les deux derniers tickets. Ouh là 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 là. Ah bon, ces tickets, ça aurait été vraiment une catastrophe. Hein. Ça aurait été vraiment une catastrophe. Allez, le dernier. Il y a un peu de monde quand même. Il y a un peu de monde, on espère, on espère, on espère, on espère. CJ2, CJ2. Mais non! Bon. Voilà, écoutez. Bon, on n'a pas. On va regarder vite fait la boxe. La boxe. Bon, voilà ce que j'avais dans ma boxe. Vegeta. Bon, ça. Ils sont pas élevés parce que j'y joue pas beaucoup sur la Jap. J'ai un compte qui est pas trop mal. Si, Super Saiyan, je l'ai en fait. C'est un truc de fou, je joue rarement sur ce compte, mais j'ai quand même pas mal d'unités quoi. Bon. Bon bref, on a eu laquelle endurance, le Goku SJ de Tech et le Vegeta End Leader Nuclear. Donc c'est pas terrible, mais bon, on est dans les taux, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez plus de chance que moi. N'hésitez pas à bombarder la barre de like pour soutenir la chaîne, ça fait grave plaisir. À vous abonner si c'est pas déjà fait les frérots, si vous appréciez le contenu. Si vous voulez activer les notifs pour être au courant quand je sors une vidéo ou quand je fais un live, bah, ça ferait grave plaisir, voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite bonne chance pour vos tickets et vos invocations. Et puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, portez-vous bien.